peux faire 2 feux, 3 élites. Peut-être aller à droite. Mais du coup, ça veut dire qu'on n'a pas de shop si on va à droite. Sinon, on prend les 100 gold et on fait un shop. Mais du coup, on a un élite avant le feu. Cela dit, on n'est pas obligé de le faire. De prendre les 250 gold pour une malédiction. Enfin, pour une malédiction. Les 75 à retirer, c'est un peu chiant, quoi. C'est ça le problème. À coup, ça coûte cher, mine de rien. Est-ce que c'est plus rentable de double def? Non. Non, parce que je prends 2 et là je prends qu'un. Potion de sang. Oh. Ténacité là. On est contre le slime, donc petit souffle de feu et puis c'est gagné quoi. Petit run souffle de feu. Avec 3 frappes, je le tuais pas sur ce tour-là, donc j'ai préféré le taper. Plaquage, vague de fer. Ou tri de guerre. Est-ce qu'on prend plaquage parce qu'on a ténacité? C'est un peu prématuré, quoi, mais... Ça peut marcher quoi, mais c'est peut-être tôt pour le prendre. On peut prendre Val de Fer peut-être. Ça nous fait une attaque de plus qui est... Bon, c'est ok tiers quoi. Bon, la boîte à outils. Boîte à outils et potions de pouvoir. C'est intéressant. Salut 4 et 5. Pourquoi 4 et 5? T'aurais pu t'appeler 45 aussi. Pose les questions existentielles hein, sur ce stream. Ouais, je vais faire ça. Ça, c'est un... En fait, ce que je viens de faire là, c'est un peu pour me permettre de faire les élites facilement. Après, si on était confiant sur les élites, on aurait pu prendre genre appétit, tu vois. Mais avec une vague de fer et une ténacité, on n'est pas confiant sur les élites, quoi. Clairement. On n'est pas vraiment confiant. Est-ce que je suis pas un peu l'homme le plus chanceux de tomber sur les deux malédictions directement? Mais c'était pas les bonnes. Ça vient de l'époque où je me posais des questions existentielles. Ah, c'est pour ça alors. En vrai, tête double, j'en veux pas. Hein. À moins qu'on chope sa cage. Pog. Non, ouais, je pense pas qu'on ait envie. Avec la boîte à outils, ça peut peut-être être ok. Ouais, c'est... Oh, vas-y, en vrai, ça vaut... Mais attends, mais what? Mais attends, mais là, il y a malédiction, là, il y a malédiction. Là, il y a malédiction, là, il y a malédiction. Mais j'ai pas ouvert ici, aussi. Ah, ça, je veux pas, par contre. Ah, il m'en reste un. Oh là là! Que de bonnes cartes! En vrai, manchette, ça peut être correct, mais...
Mais en même temps, j'ai pas envie de le prendre. Ouais, c'est... Non, vas-y, ça va. Et en plus, on l'a. Moi, j'ai deux potions, mais est-ce que je veux pas des meilleures cartes? Je sais. Mon chat, mine de rien, c'est quand même cool à avoir au début. Tu peux la jouer à la place de Heur, ça te permet de faire pas mal de dégâts et de prendre moins de dégâts aussi. C'est gagnant-gagnant, fait chier la potion. Hyperchute. Hyperchute, ça fait chier par contre, quand t'as déjà manchette Heur, t'as pas envie de le prendre quoi. Mais c'est dommage. Parce que pour épée boomerang, c'est un peu de la merde aussi quoi. Ça va être un skip, hein, mais c'est chiant. Putain, du coup, je perds une potion et des cartes, fait chier. Oh, apothéose. J'aime bien apothéose. Bah, brutalité, hein. Voilà, val de fer incroyable. Bon, le problème, c'est... Ah, peut-être que j'aurais dû heurter, mais... Mais non. Bon, ouais, ça va, hein, on s'en sort tellement bien. Bon, après, l'apothéose, ça aide. Ça aide. Clou de tonnerre, ça peut être bien pour gérer les sentinelles, vu que j'ai... Puis ça peut être bien avec manchette aussi. Du coup, ça me permet de mettre le heur et la vulnère. Par contre, qu'est-ce que j'améliore, manchette? Ou voile de fer? Voile de fer, je pense pas que ce soit si bien amélioré si t'as pas de synergie. De synergie apparente avec les reliques notamment. Pas terrible en vrai, mais bon. Bon. Du coup, là, j'ai une manchette ici, je pense. Mais du coup, je tue pas l'autre. Ça peut être la merde au prochain tour si je le tue pas. Ou alors je manchette ici. Ouais, mais non, c'est pas rentable pour 3 tours. Je prends le risque. Je prends le risque. J'ai une potion de sang. Bon. Ouais. C'était le risque, quoi. C'était le risque. Au moins on tue lui, c'est déjà ça. Ah,
On pourra pas défendre le prochain tour sauf si on a ténacité. Ah bah nice. Ça permet de garder la potion potentiellement un peu plus longtemps. Si je ne sais jamais si on a l'ornithoptère. Bon, c'était un fight de merde. Oh. 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 Oh oh. Oh oh. J'ai bien envie de le prendre celui-là. Oh, papier. Je pourrais peut-être prendre technique secrète pour ténacité si je l'ai pas en main. Ou alors je peux prendre croche-pied pour one-shot celui de droite. Si j'ai une attaque genre heure ou manchette. Ou alors je peux faire les deux. Me défendre et le one-shot. Ok, bon fight en vrai. Non, et gêne. Carnage. Est-ce qu'on veut carnage en bref? Pour l'élite, ça peut être bien. Après, maintenant qu'on a souffle de feu, on a envie de jouer avec, mais... Mais en vrai, ça peut quand même être bien de prendre carnage. Mais après, du coup, ça veut dire que je dois potentiellement l'upgrade. Je vais pas me soigner. Je sais pas si je blague carnage ou souffle. Plutôt carnage, je pense. Vu qu'on n'est pas. On a passé les sentinelles. Ça vaut pas le coup. Là, on va se soigner par contre. On se débrouille pas si mal en vrai, hein, quand même. L'argile, elle est pas mal aussi. On va pas se mentir. J'aurais pas proc une seule fois le coup papier, par contre. Dans un fight comme ça aurait pu être bien. Enfin bon, en vrai, le coupe-papier, c'est pas non plus la meilleure relique avec ce perso, on va pas se mentir. Oh, il molle. Mais je viens de prendre carnage. Ça fait trop d'attaque après. Mais en même temps, ça fait une bonne attaque à AOE. Je le souffle de feu, pour l'instant, on peut pas vraiment le... Enfin, c'est dur à setup. Je vais le prendre, en vrai. J'espère ne pas regretter. Oh, la découverte. Tous les jours, la découverte. Je prends combustion, c'est de la merde. C'est de la merde.
pense pas que j'ai envie d'utiliser ma potion de pouvoir en vrai dans ce fight. C'est parfait. Parfait, deuxième édition. Ouais, là c'est un peu de la merde ça, mais bon. Six. En vrai, je devrais peut-être manchette, je pense. Parce que le prochain tour avec immolation coup de tonnerre, je tue, je pense. Donc ça vous sert à rien de carnage. On tue large là. Ouais, large. Fleur magique. Enflammé pression trigger. Trigger, ça peut être bien pour proc le coup papier. Ça peut aussi être bien pour proc le souffle de feu avec ténacité. Je vais le prendre. Et je vais améliorer souffle de feu là. Je pourrais améliorer immolation aussi, mais bon. Petit magnétisme. Illumination, c'est pas forcément mauvais non plus dans le deck. Hein. J'ai quand même 4 cartes à 2. Ouais, mais. YOLO. Hein. Ah, bah les couilles du carnage. Ah, ça c'est pas le meilleur tour par contre. En vrai, on peut commencer maintenant. On aurait presque pu finir sur ce tour aussi. C'est tellement plaisant à faire ce fight quand t'as le souffle. Ah ouais, je pense que je prends rien là. Parce qu'à petit, on va pas pouvoir le jouer avec souffle de feu. Après, je peux peut-être le prendre et me dire... Au pire, ça fait juste une carte à exhaust. Au pire. Ça me fait beaucoup d'attaques aussi, quoi. C'est ça le problème. On va prendre la potion de compétence. Ouais, couronne bol chantant, il y a une petite synergie, hein. Il y a une petite synergie, mais en vrai, il nous manque quand même des cartes, quoi. Pour faire ça. En vrai, on peut peut-être prendre ça, hein. C'est ok, je pense. Je pense que je veux faire des fights. Du coup, faire genre ça. Probablement. Et après, on voit. Après, je pense pas qu'on ira là. Hein. Mais on pourrait aller là. Potentiellement. Ça dépend à quel point on est bien ou pas. On ferait pas de shop du coup.
Panache, on va pas l'utiliser non plus, je pense, hein. Ça vaut pas le coup de l'utiliser non plus. Je le tue ça. J'aurais mieux fait de prendre sa 10, mais en fait, hein. Ça faisait plus de dégâts. Lui, il tape moins fort. 21-10. Salut, le Babs. Si je vais bien, ça va, mais je suis un peu fatigué, quoi. Intensité? Intensité, c'est ok, je pense, tant qu'on n'a pas évolution. On va accepter de prendre les dégâts, hein. Avec l'argile, ça va nous mettre bien en termes de défense au prochain tour, mais bon. Vu qu'on prend cher, quand même. Puis on a perdu la série aussi. On était à... C'était combien déjà? On était à... Il y a 3 victoires de suite. Du coup, on est repassé à 0 là. Enfin non, là on est à 1 du coup. Pas à 0. Vu qu'on a fait une victoire juste avant. L'avant-dernière, ça heal 50% plus en combat. Est-ce qu'on va là, du coup, plus tard? Le retrait à 75. Là, ce qu'on cherche, idéalement, ce serait seulement souffle et sombre étreinte. Évolution aussi. Soit évolution, soit sombre étreinte. Plutôt sombre étreinte en vrai. Coûte cher quand même pour 3, pour 14 PV. Ça coûte cher. On veut folie. C'est une charte qui coûte cher, mais bon. C'est pas sûr que ce sera bien, illumination en vrai, mais bon. Ça peut, quoi. Il est décédé.
pourrais peut-être prendre bah, deux flammes pour avoir une défense de plus, mais après. Ouais, ça m'embête de faire ça. Parce que j'ai pas non plus masse énergie. Ouais, je vais juste prendre des PV. On va au feu. J'améliore quoi au feu? Immol? Immol, c'est bien, hein. Il n'y en a qu'un qui tape. Poli, je pense que ça peut être bien. Mais après, un très fracassant contre eux, c'est pas mal non plus. On met plus de dégâts comme ça. Ça manque de pioche pour l'instant. Je sais pas si je peux en tuer un. Ah, peut-être. Nice. Ok, ça c'est cool. En plus, la fleur est bien stack. On a l'évolution. Ça c'est très cool aussi. On va aller sur l'élite. Tape pas. En vrai, on va découverte du coup. Ok. Est-ce qu'on prend corruption? La corruption? C'est risqué. Après, en même temps, sinon, c'est conflit en vrai qui peut être ok là. Qu'il arrive, j'en tuerai qu'un, quoi. C'est triste de prendre corruption, mais bon. Je pense qu'on va faire, c'est que. On utilisera la potion si c'est la merde. Genre maintenant. Genre maintenant, par exemple. Ça fait chier de perdre l'intensité maintenant. Surtout que je peux avoir immolation après qui arrive. Ouais, en vrai, je vais. Après, le problème, c'est s'il tape au prochain tour, je suis un peu à poil, quoi. Ah putain. Et en plus, j'ai pas l'immolation. Ah, tout. Quand tout va mal, tout va mal. Ça va, je prends que 10 en vrai. Et j'ai l'immolation pour ce tour, il est encore vulné. Et là en vrai, il va falloir le tuer assez vite. Il aura été bien casse-couille quand même. Hein. Ceinture de champion. Doubler les tirs, il peut avoir la corruption ou une barrière de flamme. Et je pense pas que je veux corruption en vrai avec ténacité. T'as envie de la jouer plusieurs fois en fait. Donc, à mon avis, on veut pas. J'aurais bien pris coup de boule, mais je pense qu'on a trop d'attaques pour pouvoir se permettre de la prendre ATM. Peut-être prendre bah, de flammes, du coup. Ça me fait une défense en plus. Est-ce que je veux embouteiller? Je pourrais embouteiller immolation, mais bon. Je pense qu'on va prendre la clé. Je vais prendre ça.
Puis pour Carnage. On veut quand même. Ouais, il va se tuer là. C'est peut-être un peu dommage ça aussi. Virilité. Virilité, faudrait que je l'upgrade. Je pense que là je veux améliorer l'évolution d'abord. Après, je sais pas si je fais l'élite en vrai. Ça peut être risqué en vrai. Genre le stab. Le stab peut être compliqué. J'ai deux potions, mais c'est pas des potions utiles en fait. C'est ça le problème. Bon, vas-y, on va le skip. J'aurais peut-être dû appétit en vrai. J'aimerais bien jouer manchette, mais... Merde. Je pensais l'avoir joué. Putain, c'est de la merde. C'est de la merde. Et des cartes à 1, à 0 là. Donne-moi des cartes à 0. Tu m'en donnes bien des cartes à 3. Équilibre un peu. Oh la vache. Oh là là. Oh je... Je me fais violemment défoncer là. Putain. Ah, le pire boss quoi, enfin le pire mob plutôt. Est-ce que je le finis en vrai? J'ai envie de grid l'appétit, mais c'est peut-être jouer avec le feu. Après j'ai deux plaies aussi. Normalement ça tue. Ah vas-y, j'ai eu la deuxième mais j'avais l'appétit. Je suis deg. Après, c'est aussi pour ça qu'on joue pas appétit avec des statues, quand on joue statues généralement, mais bon. Bah, je vais me soigner, je pense. Hein. Ouais, on va se soigner. On va se soigner. Comme ça, on peut potentiellement même se re-soigner encore. Ce qui est pas forcément dégueulasse. Touch. J'ai intensité en vrai. Si je chope trigger, je peux refaire un coup papier. Bon, dommage. On a pas eu des cartes gigating non plus, donc ça va. Ah. Le retour. Peut-être j'ai pas assez de défense, quoi. Tiens, mange mon immolation là. Tiens, je te bouffe. En vrai, on arrive quand même à appétit des fois. Mais ça, c'est plutôt cool. Pourquoi je vais de fer au lieu de frappe en vrai? Je vais même pas le tuer maintenant parce que j'ai envie de stack la fleur pour le coco. Ouais, je le tue au prochain tour en fait pour bien faire.
c'est bon. Parfait. En vrai, je prendrais bien frappe sauvage, du coup, hein. Que je me mets pas cette statue rapidement, il me faudrait une deuxième ténacité, mais en attendant, je pense que je vais prendre la frappe sauvage, hein. Ça fait chier, mais tant pis, hein. Je sais pas, en vrai. Je crois que je vais prendre la clé. On va peut-être mourir sur le boss, mais on aura pris la clé. Ok, ça peut être utile en vrai. On va immol tout de suite en vrai. Faut se mettre un masque de statue de toute façon. Faut pas hésiter là. Faut pas hésiter. D'avance en vrai. Magnétisme en... Ah, ça aurait pu être bien, magnétisme en vrai. Je me demande si... Ouais, mais non, ça... J'ai rien dit. On va déjà faire ça, hein. De feu. Bon, c'est compliqué quand même. C'est compliqué. Il tape pas là, ça va. Franchement, je pense qu'on fait ça. Hein. On a déjà fait ça aussi. Le prochain tour, va falloir. va falloir subir. Et, ah putain, il réinvole direct. Ça, c'est chiant parce que ça veut dire qu'on va prendre la maths au prochain tour, quoi. Oh my god, les dégâts qu'on lui met, quoi, sont terribles, hein. Oh, oh, pas mal par contre ça. Pas mal du tout, j'aime beaucoup. En plus, ah mais je suis con, pourquoi je joue pas ça? Ah mais c'est pour la, c'est pour protéger l'argile. C'est un move super intelligent en fait. Pas fait exprès. putain, il tape à 40 alors qu'il affaiblit vraiment. C'est beaucoup, ça fait beaucoup quand même. Moi, je vais jouer des défenses, hein. Me mettre en PLS dans un coin. Espérer ne pas mourir avant lui. Il retape pas. En vrai, on a de la chance parce qu'il tape vraiment pas beaucoup. Ok, c'est bon, tu... Easy. En vrai, s'il avait tapé, il a tapé qu'une fois quand on était sous vulné, je crois. Franchement, s'il tapait deux fois, on n'était pas bien. Et Doom ou Offrande? Je pense Offrande. Pour l'instant, il n'y a rien à être Doom, quoi. Oh, est-ce qu'on prend? Ça peut être risqué si on chope pas évolution rapidement, quoi. Mais en même temps, ça peut être bien quand même. Sinon, la cloche peut peut-être être correcte aussi. Après, ça proc pas avec l'évolution, par contre. Vas-y, on va tenter ça. Je suis pas sûr que ce soit si bien de ça, quand même. Ok, faut que j'aille là. Il y a ça à faire potentiellement. Après, je me disais peut-être faire un autre feu aussi. Peut-être faire ça. Les normalités, je pense, elles sont pas si gênantes que ça dans notre deck. Ça reste toujours gênant, mais...
J'aurais peut-être dû faire ça avant. J'ai pas fait le meilleur ordre, je pense. Et le coup de boule pourrait quand même être vraiment bien, je trouve, dans le deck. Si je me fais des fights pour essayer de jouer l'appétit, même pour avoir des cartes un peu plus intéressantes, ou si je fais ça pour espérer avoir les gold, vu qu'on a deux shops, mais après, peut-être la normalité peut être dure à gérer, quoi. Surtout qu'on passe sur plusieurs élites. En vrai, c'est peut-être pas la meilleure idée quand même. Ouais, lui, ça serait bien si je le tuais avec l'appétit. Je vais essayer de pas le tuer maintenant. Ok, nickel. Ok, c'est cool, on aura joué notre appétit. Après, j'ai pas mal de PV là. Mais c'est parce que... Ouais, je crois que j'ai start au PV, c'est ça? Je dis pas de conneries, j'ai un doute. J'ai oublié déjà. Ça fait chier, je prends des dégâts là. Mon pouvoir. Une deuxième intensité. Je suis pas si fan maintenant qu'on a une offrande. Je pense que non. Est-ce qu'on veut armement? Je pense pas. Ah ouais, là c'est un peu la misère hein. Je trouve pas les cartes importantes. Est-ce que armement me sert à quelque chose hein? J'ai pas l'impression hein. Lui il peut être chiant aussi. Allez sur carnage. Nice. C'est bien ça. Peut-être que je devrais heure plutôt que manchette. Heure et coup de tonnerre, comme ça on lui met deux faiblesses et trois de vulné, c'est pas mal. Au fil de la ceinture du champ. Ok, c'est pas mal. On peut faire ça, ouais. Alors là, le problème, c'est que les prochaines cartes sont pas... Ils sont pas fofolles quoi. C'est pas Dingus. Il est plus vulnérable. Devoir clutcher une pote hein. Allez, on pioche une plaie. Please. Ou de la pioche. Yes. Ouais, c'est la merde, là.
Aïe! Aïe! Putain, c'est ça le problème, quoi. Quand ça arrive, ça fait pas plaisir. Ouais, là, c'est chaud. Même avec les... Enfin, après, des souffles de feu, on en a qu'un aussi, quoi. Il nous a bolos, quoi. Alors que sur ce tour, on est le roi du monde, quoi. Putain, on aura pris bien cher, quand même. Hein. Ma pire mob à affronter, lui aussi. En vrai, c'est pas le pire, mais... On va faire, je chope. En vrai, deux chopes, c'est pas forcément mauvais si on peut choper ce genre de carte. Miroir de Dolly, en vrai, je me tâte. Hein. Miroir de Dolly. Après, par contre, je sais pas si je le mets sur souffle de feu ou ténacité. Je pense plutôt souffle de feu quand même, mais on va avoir du mal à défendre, quoi. Mais au moins, on a déjà un peu plus de dégâts. Je sais pas si je fais ça, par contre, parce que je vais peut-être vouloir faire ce chop et... Et ça coûte 100 quand même de retirer là. C'est pas dingue. Ouais, en vrai, je vais améliorer ça quand même. Quitte à pas faire le premier élite là. C'est pareil, en vrai il peut être galère à tuer hein. Merde, je voulais jouer ma frappe. Là, le problème que je peux avoir, c'est comment je vais défendre quand il va commencer à taper Vénère. Ça risque d'arriver bientôt. Hein. Ça risque d'arriver très bientôt. C'est ça, c'est le second souffle quoi, qui manque en fait. Ou alors, ignore la douleur et un autre truc pour Exos quoi. Il faut quelque chose, quoi. Qu'il arrive. Ouais. Ah, je me fais ouvrir. 22 dans la bouche. Parce qu'on n'a pas assez de dégâts, pas assez de défense, surtout. Ah! Incroyable. Alors peut-être. Franchement, je me demande si on va pas dodge même cette élite et juste faire celui-là. En vrai, avec second souffle. Oh. Oh putain, en vrai, je pense que c'est évolution quand même en premier. Vu qu'on a pris ça. Ouais, je pense. Je pense, ouais, quand même. Ouais, en vrai, je pense qu'on a... Là, normalement, on a notre deck de fin à peu près. Après, il faudrait juste réussir à... avoir de quoi virer ces merdes, en fait. Donc, soit feu démoniaque, soit virilité, ça pourrait le faire aussi. D'avance. Ouais, apothéose, ça va être dur à setup là. Ouais, je pourrais immol. Non, d'abord offrande. Ok.
que j'immole du coup? Est-ce que je second souffle? J'ai remis une plaie, je fais 20 dégâts. Vas-y, on va focus lui. On va s'y tuer. Ça fait 20 encore, ça. Faut que je tue lui. Après, ça me... Ouais, non, ça va. Ça va, je prends pas trop de dégâts. En vrai, là, si j'ai... Non, ils vont mourir. J'allais dire, si j'ai appétit, je pouvais tuer, mais j'avais oublié que je m'étermine... Une plaie. Je peux faire ça en vrai, je pense. Ah, du coup, c'est risqué de faire ça en vrai. 28, ça fait chier aussi en vrai. Ok, nice. En vrai, c'est audacieux de faire ça, mais... On prend. On prend quand même. Nice. Alors le problème c'est que je sais pas si je peux... Ouais si c'est bon. Okay. J'ai pas sûr de pouvoir lui enlever l'armure après, mais si ça va. Ok, là on peut second souffle. Le principe c'est juste de garder ténacité avec des plaies. Après les frappes j'en ai trop quoi aussi. Du coup faudrait que je trouve un moyen de les gérer. 16, ok ça me va. Merde, je suis con. Ah putain, je suis con. Ah, ça fait chier. C'est terrible en vrai. Hein. Y a pas un combat où on prend pas cher à un moment donné. Hein. C'est un peu relou. Hein. Jus de fruits. Je me tâte à reprendre un cri de guerre, mais... Ça, tu sais, en vrai, ça me permet de placer... Enfin, de piocher plus au tour suivant avec évolution en T1. Si j'ai une plaie, quoi. Mais je peux peut-être qu'une suffit, quoi. Ok. Pas le fight le plus facile, lui. Après, j'ai immolation, quoi. Est-ce que je prends la bombe? Pff, allez. Ah, le problème, c'est que... Le problème, c'est que le prochain tour... ça va pas être sympa, quoi. Ça va pas être sympa. Ça vaut tout là, j'ai une potion de pouvoir, ça m'aide à rien quoi dans l'immédiat. Ah, ça veut dire que je vais forcément devoir tanker ses coups. Oh là là. Avec la force en plus. Est-ce qu'on serait pas décédé? Telle est la question. Train ou ignore la douleur. Ah, ça dépend du prochain tour en fait. Peut-être ignore la douleur quand même. Non. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe.
114. Aïe aïe aïe. Allez, pioche une plaie, s'il te plaît. Okay, pas mal. Ok. Il tape pas sur ce tour. Le problème. On va faire ça. Tenacité. Ah, est-ce que j'ai envie de virer ces plaies? J'en ai trois autres. Ouais, en vrai, je pense quand même. Ok, nickel. Cadran solaire, ça peut... En vrai, ça peut être pas mal. Est-ce qu'on prend charge imprudente, du coup? Pour aller à faire plus de statues. Ouais, ce qu'il faudrait, c'est une deuxième tenacité, quoi, mais... Après, le problème, c'est que j'ai rien pour virer les attaques. Donc, plus j'en rajoute, moins c'est bien, quoi. C'est aussi ça le problème. Je vais quand même la prendre parce qu'à 0, je pense que ça reste intéressant. Il n'y en a rien de super bien. Je vais virer une frappe du coup. Et je vais économiser pour le prochain... Pour le prochain shop. Upgrade, en vrai, ça pourrait être ça, quoi. Et je vais me soigner, plutôt. Je vais pas regarder les potions, remarque, au shop. Ça aurait peut-être pu être bien. Grabuche, c'est mort. Technique secrète, c'est bien, en vrai. Ok, c'est pas mal ça. Je pense que le carnage, je vais la laisser s'épuiser. On va pas le gré de l'appétit non plus. Ok. C'est bien. La question c'est est-ce que je... Faudrait peut-être mieux que je mette des plaies plutôt qu'essayer d'enlever les artefacts. À ce moment-là, autant immolation plutôt que frappe sauvage, je pense. De toute façon, le deck va reset. Si on avait ignore la douleur, on serait vraiment parfait, je pense. On va faire ça et ça. Mais là, on a un potentiel d'infinite. Hein. Après, avec toutes les frappes qu'on a, je pense que ça va pas être possible. Mais dans l'idée, je vais pas le tuer sur ce tour, lui. Comme ça, on stack la fleur un peu plus. En vrai, bon fight quand même, même si j'ai pris des dégâts, mais en même temps, je pense qu'on n'est pas en capacité là de se dire qu'on prendra jamais de dégâts. On prendrait pas de chrysalide en vrai. Ça peut nous donner des trucs intéressants. Notamment virilité.
Le problème, c'est que... Ouais. Le problème, c'est que là, si je virilité sur second souffle, je suis au fond du trou, quoi. Après, j'ai les zooms derrière, donc en vrai, je peux peut-être le faire quand même, parce qu'au pire, je récup second souffle avec les zooms. C'est sûr, mais c'est sûr que ça va arriver, quoi. C'est sûr. C'est marqué, quoi. Genre, y a pas d'autre choix possible. C'est un peu la merde, là, par contre. Zoom, second souffle. Y a quoi à perdre? En vrai, si je perds ténacité, je pense que c'est relou. Est-ce que je le tente avec la chance que j'ai à TM? C'est 1 sur 8, quoi, mais... En vrai... Je fais ça juste pour mettre un peu plus de faiblesse. Compliqué hein. En même temps hein. Il tape comme un bourrin ce boss, il tape comme un bourrin. J'ai failli crever là. Au prochain tour, normalement, j'ai le second souffle. J'avais tu tapes à 54. Il en a rien à foutre. Prochain tour, je... Ah non, le prochain tour, il tape pas. Que je peux le tuer, ça m'étonnerait. Hein. En plus, avec ça comme pioche, putain. Allez. Ok, nickel. Pff. Ouh, loulouloulouloulou. C'était pas facile. C'était pas facile. Quatre-vingt-deux, on va se soigner, hein. Tant pis pour l'upgrade de second souffle. Ouh, ignore la douleur. Il y a aussi ça, hein. Ça peut être bien. On va voir les deux en vrai. Après, on n'a pas de potion du coup. On n'a qu'à faire ça d'abord. Il y a encore un second souffle. Il y a 10 armes aussi qui peut être bien, je pense. Je pense pas qu'avoir deux seconds souffles, ce soit si bien de ça. Parce que si t'as les deux, bah du coup, t'es obligé d'en exhauster un. Donc c'est de la merde.
Et du coup, en vrai, c'est un peu de la merde, là, dans l'idée, ce qu'il propose. On va prendre ça. On pourrait prendre intimidation, mais bon. Je sais pas si je prends ça. C'est un peu de pioche, mais ça fait encore des attaques à rajouter, quoi. Enfin. Bah, va falloir faire sans pote, hein. Ça va être compliqué quand même. Et tu l'autre qui tape. Ça m'aide pas trop, ça. Pas confiant. Ouais, vraiment confiant, là. Ok, second souffle qui nous sauve la vie. Enfin, ça va nous permettre d'économiser beaucoup de vie en tout cas. La chatte. Bon après le problème c'est que du coup sur le prochain tour je vais pas pouvoir tanker quoi. Toujours un truc qui va pas. Ah là c'est... on peut pas tout éviter quoi. 38, ouais. Putain, ouais, non, mais c'est terrible ces tours-là, par contre. Vraiment, c'est une catastrophe à voir. Les deux tapes, là. Super long. J'aurais dû frappe sauvage avant de faire ça, je suis trop con. Je fais pas ça avant aussi. Un peu de la merde. En vrai, on a perdu 30 PV au final. J'ai envie de te dire que c'est pas si pire. Même si, bon. Prendre ça en vrai. Soixante-sept. J'aurais peut-être dû me laisser taper au tour d'avant. Ça aurait été une bonne idée. Quarante-huit. Ouais. Ça va piquer. Ça va piquer. Ombre étreinte. Je sais pas si je veux second souffle maintenant, ouais, parce que là, il y a quasiment que des statues, et les statues, c'est le truc que je veux garder autant que possible. En même temps, ça me permet d'avancer un peu.
C'est cool. Ça aurait été bien d'avoir manchette pour affaiblir. Après, on a second souffle au prochain tour, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Il fait son gros hit là, donc ça c'est plutôt cool aussi. Ah ouais, mine de rien, la pierre lisse aussi avec second souffle, ça combat giga bien quoi. C'est plutôt cool à avoir. Par contre, là sur le prochain tour, j'ai peur. Yes. J'ai bien raison d'avoir peur a priori. Je vais faire ça aussi. Ok. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que du coup, j'ai pas chopé second souffle. Donc je pense que c'est gagné, hein. Ah, c'était tendu, mais ça passe. Ah ouais, ces genres de builds sont forts, mais ça manquait quelques trucs là pour être vraiment bien, mais c'est tellement fort que finalement ça passe quand même, donc GG, c'est cool.